You look lonely. I can fix that. Uda takarish wadam. Winjar alajarish. Hatakar. Warbeti pacharish. Harish sibalti yiguarish. Ma ul udams winja waija waika. Hawaija salwa takar balhur winja laja daos. Et ce fameux dernier bonhomme que vous avez vu jeter cadavre dans le feu, je parle mots-clés comme un homme préhistorique justement, eh bien nous venons de le récupérer dans le dernier épisode. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est MColo, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce 4e épisode de Far Cry Primal. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici, on va pouvoir allumer un petit feu de camp, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, pour vous rappeler, nous sommes actuellement ici sur la carte et on va se rendre chez Sayla l'accueilleuse, enfin... Plutôt, on va fouiller la grotte aux ossements pour trouver le chasseur Wenja disparu. Et je rappelle du coup, voilà, c'est Karoosh le guerrier qu'on a pu récupérer dans cette zone-là. Donc maintenant, il est au camp. On pourra aller lui parler tantôt. Voilà, ça me fait plaisir d'être de retour sur ce jeu. Tuer le chef des envahisseurs. Ah, il y a un petit event. Il y a un petit event là-haut. Attendez, on va quand même... y aller faire un petit tour. On va se faire des flèches là de nouveau, là. On va quand même y aller faire un petit tour. Est-ce que je peux monter par là? Ah évidemment je peux pas trop monter si ça passe. Ça passe. Ah je suis très content de vous retrouver parce qu'on a joué en fait tout à l'heure avec Gabi et Ludo. On a joué à... Oh là! C'était pas ça que je voulais faire, je me suis trompé de touche. On a joué à Grounded et ça m'a un peu saoulé. Donc je suis très content d'être de retour sur ce jeu. Ça n'a vraiment rien à voir. Allez, on va essayer de se faire quand même un peu discret. Oh. Ok, feuille jaune du nord. J'ai entendu un ours. J'ai cru entendre un ours. J'aime pas trop. Bref les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode. Et si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu bien sûr et le commentaire qui fait plaisir. Et nous sommes dans la neige. J'ai pas l'air d'avoir froid, c'est cool. Alors on va essayer de monter, c'est pas facile. Et là on va envoyer un hibou. Alors qu'avons-nous? 1, 2, 3, 4. Et c'est lui la cible. Alors ce qui... Oh là on a un masto. Toi t'attaques. Et toi t'attaques. Paf. Et voilà. Personne n'a vu venir. Allez résiste mon loup. Dommage. Dommage. Ah non je l'ai eu. Ah voilà. Ils sont tous morts. C'est un régal. Allez. Et voilà, j'ai pas compris comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. Et ça, c'est fait. Événement Wenja terminé. C'est cool. J'ai pas capté comment j'ai fait pour réussir. Il est mort comment lui? Ah, je l'ai vraiment eu dans la tête en fait. Ah, je pensais que je l'avais loupé. Par contre, cet aigle, il est marqué en rouge. Mais je me suis pas encore fait attaquer depuis le début de l'aventure. Ce qui est plutôt pas mal en vrai. Allez. Ah, je sens qu'il va m'attaquer un jour. Oh, regardez là-bas. Petit ours. Ah, il fallait que ça m'arrive. Il fallait que ça m'arrive. Bon. Comme ça, au moins, ça répond à ma question. Est-ce que les aigles attaquent? Et oui ils attaquent. Allez on va voir cette fameuse grotte. On va avancer dans notre incroyable histoire bien sûr. Ça se passe à part ici il me semble. Oh là là. Il y a des animaux partout. Au secours. Attends. Ça se passe ici bien sûr. Voilà on va éviter de se perdre. Ah j'ai mes collègues qui ont besoin d'aide. Attendez, attendez. Ah oui, non, mais là, vous vous débrouillez. Il y a des bisons. Moi, les bisons, je connais que bisons futés. Hein. Le reste, je fais pas trop confiance. Donc, vous vous débrouillez. Voilà. Donc, c'est là qu'on a trouvé notre ami le chasseur. Oh là là, les bisons. En vrai, faut qu'on essaye de s'en faire. Ah, et en plus, il commence à faire nuit, là, sérieux. Bon, on va profiter de la nuit pour rentrer dans la grotte, en vrai. Hein. En vrai, c'est la bonne occasion d'aller dans la grotte. Hein. Allez, go. Oh non. La grotte aux os, m'ont fouillé la grotte. Ok. Ah, les visions chasseurs, c'est là-haut. On va faire une petite exploration nocturne, messieurs, dames. Est-ce que j'ai de quoi enflammer le bâton? Ouais, c'est bon. Si jamais... Donc, ça se passe là-haut. On va monter. Et ce qui est cool, c'est qu'on va être dans le froid, dans la nuit. Mais au moins, on a du feu. Les terres du Nord sont une région froide et inhospitalière. Avec vos vêtements actuels, vous finirez rapidement par mourir de froid. Pour survivre, réchauffez-vous en allumant des feux de camp et trouvez des matériaux permettant de créer des vêtements plus chauds dans le menu confection. Très bien. Donc on a notre barre de froid. Ça devrait pas poser trop de problèmes. Alors pour le moment, on va rester discret dans l'obscurité, hein. Et bien voilà. Tanière du Dantan. Ok. Allez. Allons-y. La grotte aux ensements. Ok. Alors c'était un petit lieu de repos, hein, comme on peut le constater. On peut voir les traces de pas. Pas d'animal en vue. Oh. Ah. J'entends un grognement autre que mon loup. Alors d'ailleurs je vais te soigner. Voilà. Ah! Ah! Pas cool! Pas cool! Alors... Ah! Oh la pétasse! Viens voir, viens voir, viens voir! Ah, il a pas peur du feu, je l'ai enflammé. Ah, le nul! Okay. Oh! Ok, si ils ont peur du feu. Hop. Ah d'accord. Ça régale. Ça régale. Ça régale. Paf! T'en dis quoi de ça? Paf, paf, paf! Brûle! Terrible. Allez, je brûle tout moi. On brûle tout. Dégage. Voilà. Lion des cavernes. Oh ça doit être super rare ça. Alors qu'est-ce que je viens de faire? Ok, y'a rien à récupérer en vrai. Genre ça sert à rien, ça m'étonnerait. Oh là là. Oh là là, il est trop chaud lui. Bon allez on va le goumer là. Ça suffit les conneries. On va sécuriser la caverne messieurs dames. Allez attaque. Voilà. C'est bien mon grand. Peau des lions des cavernes. Impeccable, t'as géré. Alors attends. Il y a tellement de trucs à voir en vrai. Ici là par exemple. Ah bah voilà. Alors attends, bouge pas. Priorité au direct. Ah il y a trop de trucs. Crie pas, crie pas, crie pas. Crie pas. Là. Là il y a rien là. Bon allez, on va aller quand même trouver ce chasseur Wenja là, on va lui parler parce que là le pauvre il est en train d'agoniser. Désolé je t'ai snobé, allez, guéris-moi. Donner des plantes. Voilà. Oh non. Hors de ma vue. Ah ouh. Voilà. Bam, eh, on est trop fort à deux. On est trop fort mon lion et moi, mon tigre et moi. Viens là, viens là. Voilà. Oh il le dégomme. Ah. Ah oui d'accord. Ah ouais d'accord. Allez debout. Ok. C'est vrai que là c'est un peu la merde en vrai. J'avais pas vu ça comme ça. Alors bouge pas. Vas-y qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Il est où là? Il est où? Paf. la tuile. Il est mort. Bien joué mec. Bien joué mec. Dent de sabre. C'est impressionnant ça. C'est bien mon grand. Allez. Retourne auprès du chasseur. Ah j'étais tendu là, je vais pas te mentir que là. J'ai été tendu pendant toute cette scène. Incroyable. Simplement. La grotte aux ossements, c'était simplement ça. On a un nouveau gars dans la populace. Pas mal. On est 26 maintenant. Superbe. Bon. C'est pas mal. Oh je l'ai pas dépecé lui. Arrête, incroyable. Là je peux rien faire, là il n'y a rien derrière, je suis très déçu. On va un petit peu explorer quand même. Il y a de la glace. Ok, ça m'étonne ça. Il n'y a rien à faire là. Là c'est de la convient. Il n'y a rien d'autre. Moi je n'y crois pas. Moi je n'y crois pas. Non, il n'y a rien d'autre en fait. Il n'y a que des vilains tigres qui se mettent là, tranquillou bilou, mais sinon il n'y a rien d'autre. D'accord. Quelques ossements quand même. Des petits sacs. De toute façon on n'a pas de place dans l'inventaire. On a une torche ici. Ok. Ok. Bah, ça me paraît pas trop mal tout ça. Ça me paraît pas trop mal. Et bien du coup les amis, on a ours des cavernes. Oh là-haut c'est une zone. Alors là-haut c'est une zone chaude. Et en bas c'est une zone chaude. On n'est pas dans le caca. Donc là il va falloir trouver Wogah le fabricant, Jayma la chasseresse. Mais moi ce que je vous propose c'est qu'on aille ici. Parce qu'on a pas mal de choses à faire. On peut parler à Karoosh, c'est secourir le vénérable. Qu'est-ce qui lui arrive lui encore? Oh là. Qu'est-ce qui lui arrive? Bon, on va parler à Karoosh en priorité hein. Parce qu'on vient à peine de le sauver. Donc on va prioriser notre ami le guerrier. En plus le jour se lève, c'est magnifique. Salut. Est-ce que j'ai des ressources pour ça ou pas? Je crois pas hein. Non non. Allez Karoosh, Karoosh, j'arrive. Karoosh chasseur. Monsieur bonjour. Marsh malsta, Nashbal, Karoosh takar kwawai. Midam cha chadam sham. Wenja Udam guanda chayam. Ah. Ah. Tout à fait. Très bien. C'est ah oh hutte de Karoosh. Allez, let's go. Je te fais ça mon grand. Comme ça t'es content. J'adore ces scènes. J'adore ces scènes. Réunir les Wenja. Les Wenja vivent aux quatre coins des terres d'Oros. Trouvez-les et secourez-les pour augmenter la population de votre village. Appuyez sur H et sélectionnez le menu village pour voir la population. Et à mesure que votre population augmentera, vous pourrez construire des nouvelles huttes et améliorer, etc. Mais ça on le sait déjà. Ça on le sait déjà, messieurs, dames. Bien sûr, regardez, on est 27. À 40, on aura 2 sacs de ressources d'armes chaque jour. Très bien. Oh là là, tu m'en demandes beaucoup là. Ok, pas mal. Nos points de compétence, on en a 6 messieurs dames. Oh ça commence et du coup regardez comme on a... Ah ouais, vu que là, ça c'est les compétences de Karoosh. Oh ah ouais laisse tomber, c'est incroyable. D'accord, apprenez d'abord les compétences précédentes. Ah. Fouillez automatiquement votre cible en réalisant une exécution. Ah je peux pas encore. Trouver plus de bois, de pierres, machin. Ressources rares chacune. Alors attends. Il se passe trop de choses là. Ok. Ça je prends. Ça je prends. Chance accrue de trouver plus de plantes rares. Non. Sauter, tomber sur un ennemi en contrebas pour les mini. Oh là 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 là. On va faire des actions de folie hein. Allez. Je réfléchis pas. Là on va pouvoir faire des combinaisons mon gars, ça va être magnifique. Alors là les gars on va avoir une combinaison de folie. Allez, là on va faire des combats de zinzin. Et là on va pouvoir confectionner gourdin à 2 mains. Ok. Vêtements d'hiver. Ah, il me faut de la peau de loup. Mince. Bon, bah c'est pas mal. Ceinture à gourdin, nanana, nanana. Piège. Ceinture à bombe. Griffe grappin. Ok. Pour le grappin, il faut que je trouve ce gars-là. Et ce gars-là, c'est lui là. Wogah le fabricant. Il faut que j'aille chez lui. Il faut que j'aille chez lui, c'est notre priorité, messieurs, dames. Du coup, on va se téléporter là. D'accord. On va faire cet avant-poste. Et on va aller sur lui. On va passer par la flamme et on va aller sur lui. Allez, c'est parti. Direct. On va quitter l'objectif principal pour faire un petit peu de secondaire. Vous venez de débloquer une nouvelle arme. Pour changer d'arme, d'accord. Ah, attends. Ok. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. Attends, gourdin demain. Ah ouais, ça, hein, avec ça tu... Avec ça tu casses des bouches, hein. Ah ouais, avec ça tu casses des bouches, hein. Oh, j'ai hâte de voir. Allez, c'est parti les amis. Direction. Où est les petites glissades? Direction l'avant-poste. C'est en train de gueuler là-bas. Oh là 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 là, c'est pas possible. Peut pas être tranquille 2 minutes. Protéger les Wenja des prédateurs. Alors attends, parce que là tu parles de quel prédateur là? Mais non mes frères. Mais mon tigre ne sert à rien en vrai hein. Alors toi, tu vas pas t'en sortir indemne. Fume-le. Voilà. L'événement est déjà terminé. Putain mais c'est un truc de ouf. Lion des cavernes. Comment il m'a attaqué. C'est impressionnant. Tiens, mange ma viande, elle est meilleure que celle-là là. Allez. On y va là. Ça va être compliqué sinon, on va jamais y arriver. Ça part dans tous les sens. Il y a un cadavre ici aussi. Oh bah la petite chèvre. Écoutez. Ma foi. Hein. Mais non. Il va me foutre la paix lui. Allez on se barre. On peut pas être tranquille hein. Allez viens. Oh bah il est mort. Allez. Tant pis pour toi. Oh là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des gentils ou des méchants? Des méchants. Ok. Alors j'aime bien les scanner un petit peu. 1, 2, 3. Excellent. Est-ce qu'on essaierait pas? Est-ce qu'on essaierait pas de faire notre combo? Ce serait très stylé. Sachant que j'ai un couteau sur moi, c'est bon, j'ai 2 couteaux sur moi. J'en prends un par derrière et je balance un couteau sur l'autre. Maintenant. Ah yes. Yes. Voilà. C'était pas comme ça que j'imaginais mais ça s'est passé quand même. Oh regardez le couteau dans la jambe. Magnifique. Je pensais que ça marcherait pas. C'est passé, ça fait plaisir. Ma matraque en plus elle fait super mal hein. Ah là le gourdin là il rigole pas hein. Ah ouais. Là le gourdin il rigole pas. Avant-poste. Et pourquoi il me respecte tout du jeu là? On connaît ça. Bon, peut-être que maintenant ça devient de plus en plus difficile. Et c'est possible hein, mais bon. Ah ouais. Ah là on est sur un vrai avant-poste aussi là. Là on est sur un vrai avant-poste. Ça ne rigole pas hein. Ah ouais tu vis hein. Alors on a de quoi escalader, c'est pas mal. Bon. Alors descends tranquillement toi. 1 2 3. Ah voilà il y a une caverne aussi là. Ah ouais 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 ouais. Ils sont des millions là hein. Je peux même pas descendre plus bas, j'ai trop le seum. Si j'en tue un discrètement en aparté, la personne verra. Attends, lui personne ne verra. C'est bon, personne n'a vu. Ça c'est top ça. Ça c'est top. Ok. Personne l'a vu. Allez, on va commencer à... Ah! Ça a sifflé là. Je crois qu'ils sont en alerte. Oh non. Oh non. Oh non. Allez hein. Voilà hein. Merci à tous. Bah il fallait bien que je vous fasse... Eh, fallait bien que je fasse un fail quand même hein. Ah fallait bien que je fasse un fail quand même. J'ai beaucoup le seum. Voilà, j'ai beaucoup le seum, mais c'est pas grave. Ah ouais non mais les gars... Détendez-vous enfin. Ah ouais c'est... Qui va gagner quoi? Qui va gagner quoi? Et en vrai je pourrais sauter dans l'eau. Non Ouais c'est en train de faire diversion en bas en plus. Eh mais attendez c'est super pas mal ça. Ils sont très occupés là les frérots là. Attends, on va descendre, on va faire une petite tête. Oh c'est génial. Alors. Ok. Mais y'a plus personne. Oh, toi t'es mort. Toi t'es mort. Y'a plus personne dans le camp en vrai hein. Ah faut y aller hein. Je peux pas sauter là dans l'eau. Oh, c'est chiant de pas voir le grappin. Bon là 100% je meurs. Bon faut que je descende par là, j'ai compris, il faut faire le tour, c'est chiant. Terrible. Là ça passe. Doucement, doucement, doucement. Voilà. 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 Doucement, doucement pépette. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien Far Cry. C'est parce qu'on peut faire ça sans aucun problème. C'est un cochon. C'est une chèvre, pardon. Tout va bien. Ramasser ardoise, on ramasse. Là l'avantage c'est que j'ai pas d'animal avec moi pour me faire cramer donc ça c'est cool. Oh non. Alors comment j'ai failli me faire cramer j'ai pas compris. Ça va être vite vu. Où te cachais-tu? Où te cachais-tu? Là. Je t'avais pas tué toi? Ok. Ah il reste plus grand monde là hein. Il y a plus personne en fait. C'est trop cheaté. C'est trop cheaté. Allez. Allez, c'est trop cheaté. À moins que j'ai loupé un truc, mais... Ils se sont tous fait défoncer la gueule. Ok. On va passer par là, tranquille. Ça c'est le genre de phase d'infiltration. Forcément je parle pas trop. Je me concentre. Ils sont que deux. Ça me fume. Ah! Ah! Il y en a quand même que j'ai pas vu. Alors attends. Lui c'est un sniper. Hop là! Voilà. Arrête. Arrête! Voilà. Pas possible. 4 flèches quand même hein. Bon bah c'était un peu simple. Ma mort m'a aidé quand même. Ah mais c'est la première fois qu'on fait un avant-poste en fait. Je viens de comprendre. On n'a jamais fait d'avant-poste encore. Nuance. Ok. Et tu te calmes. Tu te calmes. Oh y'a tout qui prend feu. Oh non. Ah ouais d'accord. Oui bah on n'oublie pas que c'est des cannibales hein. On n'oublie pas que ce sont des cannibales forcément. Ok. Ça c'est fait. On a de la grotte ici là, j'aime bien. Hop, qu'avons-nous là? Oh waouh. Ah oui on aurait pu... Ah oui, on aurait pu passer par là et faire un truc de ouf encore. C'est vrai hein, faut pas oublier hein, Far Cry t'as 10 000 façons de pouvoir infiltrer des zones. C'est juste un bonheur et on va juste se régaler. Ok, donc on arrive là. On peut se reposer ici. Oh la cascade d'eau, c'est magnifique. C'est absolument magnifique hein. Ça fait que de gueuler hein, par contre hein. Donc voilà, maintenant on est là. On va se rapprocher du feu de camp. On va passer par le lieu inconnu et hop là. Explorer. Ah non, ça c'est une mise à mort, on s'en fout. Pour le moment on s'en fout. D'accord. Eh bien c'est parti. Salut les collègues. Bienvenue. Allez c'est parti, on continue l'exploration les amis. Alors aujourd'hui c'est plus un épisode d'exploration, ça change des quêtes principales. Alors exploration, mais c'est pas pour autant que c'est chill. Puisque en effet on se fait quand même pas mal attaquer, pas mal de morts. Mais à terme, à la fin de cet épisode, normalement on devrait avoir le grappin. Et ça ce serait top. Parce que le grappin il va nous changer la vie sous différentes formes, sur différents points. Donc c'est vraiment l'objectif. C'est vraiment l'objectif. Salut les chefs. Oh là là, la surprise du chef. Et lui il a pas peur du feu hein. Arrête. Putain, il a pas peur du feu hein. M'énerve. Il se méfie mais il attaque quand même. Il a pas... voilà. Oh. Messieurs bonjour. Alors ils sont combien? Ils sont que deux. C'est pareil là, on peut faire une action trop stylée. Attendez, on va en profiter hein. Ah mais ils sont en alerte. Putain c'est chiant, je peux même pas faire ce que je veux. Moi je voulais en prendre un, envoyer un couteau sur l'autre. Terminé, bonsoir. Oh waouh. Ah bah c'est là le feu de camp. Hop on l'allume. Voilà. Cache de récompense. Transférer. Transférer tout, transférer d'éléments. Ouais d'accord. Du coup c'est bon, on a acquis le feu de camp, c'est bon ouais, je pense. J'ai pas l'impression. Feu de camp. Ok. Je suis perdu là j'avoue. Allez direction, boum, Wogah, en passant par là bien sûr. C'est par ici. Ok. Oh. Bah t'es tout seul, tu t'es perdu ou quoi? Perdu ou quoi? Et on rappelle que le jeu je l'ai pas mis en facile, je l'ai mis en difficile hein. Mais, mec il a tout niqué là le cerf. Il a tout niqué. J'ai le jeu en difficile hein, je le rappelle la difficulté. Donc c'est important à garder en tête. Donc c'est cool en vrai. Pour le moment on s'en sort pas trop mal. Ah ouais ton collègue il s'est fait laminer hein. Oh. Qu'est-ce qu'il fait dans l'eau lui? Il est con quoi. Bon. Hop. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Je pensais qu'en fait le hibou allait attaquer en même temps que je fasse mon move là. Et en fait que dalle, je suis dégoûté. Premier degré. J'essaye, hein, j'expérimente, hein, j'essaye de faire des actions pour un petit peu varier les plaisirs, mais un petit peu déçu de ce qui s'est passé quand même. Alors, y'a pas de bête bizarre, c'est bon. Repos du pêcheur. Ah, c'est top. C'est top ça. Allez, donne-moi ça. Repos du pêcheur. Très bien. Ok. Oh, trop mignon. Trop mignon. T'es sérieux? Alors, mais t'es sérieux? Mais il est sérieux là? Alors, non, non, j'y crois pas. Imagine je meurs. Imagine je meurs. Non mais je lui ai mis 4 coups de grosse massue. Eh viens voir. Non j'y crois pas. Mais attends mais regarde moi ce petit chien là. Non j'y crois pas. Comment ça il meurt pas? Comment ça il meurt pas? Regarde moi cette petite merde là. Non je... Alors fais gaffe parce que ça c'est un coup à faire désinstaller le jeu. Ça c'est un coup à désinstaller le jeu. C'est quoi cette merde? Ouais je préfère. Non je rigole pas hein. Le blaireau là 8 coups de massue, l'autre team one shot, non non. Là on parle d'un blaireau quand même hein. Fais gaffe hein, ça peut vite me faire vriller hein. Hop c'est par ici. Ah et on est en plus on est dans la zone des blaireaux. Bah c'est peut-être un blaireau le gars qu'on cherche. Et on est en train de faire cramer toute la forêt encore une fois. C'est incroyable. Très bien fait la propagation du feu il faut le dire. C'est un très bel aspect. Bien travaillé, c'est cool. Mais ça fait que de crier hein, quand vous écoutez hein. Ça gueule dans tous les sens hein. En termes de discrétion à la préhistoire c'était pas ça hein. Tu m'étonnes qu'ils ont pas tenu longtemps. Alors. Alors. Comment vous dire? Je vous aime bien mais faut peut-être pas exagérer. Foutez-moi la paix. Voilà. Cache. Deux chasseurs. Mais non. Mais non. Allez salut. Je m'en fous vous allez pas me suivre. Ah voilà bande de nulos. Ah bande de nulos. C'est quoi là que j'ai trouvé la cage de chasseurs là? Qu'est-ce que c'est ce machin là? J'ai pas le grappin. Je peux escalader là? Yes. Bah c'est super, j'ai vraiment l'impression d'être libre, c'est un vrai bonheur, j'ai l'impression de pouvoir tout faire, hein. C'est impeccable. Oh là là là, ça me saoule. Oh, ça me saoule. Bon tout ce qui est secondaire, c'est inaccessible, tant pis, c'est pas grave. Allez, tant pis, c'est pas grave. On va aller voir notre copain. Enfin, on va essayer en tout cas. Attention ça c'est l'épisode où je vais être aigri, je le sens. Ah ça arrive hein, dans mes let's play, hein. Ceux qui me suivent depuis longtemps vous le savez il y a des épisodes où je suis aigri. Parce que tout me rend aigri. C'est pas étonnant. Abri des perdus. Ok. On a un trou là. Ah bah oui tout simplement. Voilà regardez. Comment ne pas être aigri? Dites-moi, dites-moi comment ne pas être aigri quand on est bloqué. Ah voilà ça va. Parce que j'étais bloqué hein, littéralement. Hop voilà. Bonjour. Wenja. Nein! Musst du immer Wenja! Ah, Dijam Shanti, Maigatsu Tagata, Udam Warwai. Smarka, Maika. Oh, j'adore. Ah non, je suis piégé. Ah, j'adore un peu moins. Ah, il m'a pris pour un Udam. Échappez-vous de la grotte. Et ben voilà, merde. Cherche pas. Ah il m'a pris pour un Udam mais il m'a pissé dessus en plus. Salaud va. Oui 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 oui. Oh j'ai l'habitude hein. Allez hop dans l'eau. Ça dégage. Bon par contre c'est la dernière fois que tu me pisses dessus hein. Je te le dis direct. Tu vas voir ce qui va t'attendre si tu me pisses dessus encore. Enflammé gourdin. Voilà. Ah ouais, là on voit le sort qui a été réservé aux autres. Pas cool. Pas cool du tout. Ah, voilà. Oui, bah tant qu'on y est, hein. Oui. Oui. Allez. Sérieusement, quoi. Tu trouves pas que c'est un peu abusé, là? Bon, les jaguars, ça va. Les jaguars, c'est pas le pire. Vous avez vu, c'est... C'est assez tranquille. Oh, puis en plus, il y en a des... un autre qui est mort, là. Oh, qu'est-ce que je ramasse? Un grappin. Allez, allez, c'est trop. Allez, c'est trop. Mais non, mais c'est trop cool. Moi qui pensais qu'il fallait en plus le fabriquer ou je sais pas quoi. Oh, lui, il s'est fait déchiqueter, par contre. On a, messieurs, dames, le grappin. Quel bonheur. Je m'étais encore dit, ah, il faudra qu'on y retourne ici quand on aura le grappin. Oh, c'est top. Je suis tellement content. Et ça fonctionne comme sur les autres Far Cry. Donc bon, jusqu'ici tout va bien. Oh, c'est excellent, bordel. Checkpoint. Chercher, il y a peut-être des trucs là, non? Que dalle. Ok. Ça, on peut enflammer. Voilà. En fait, je me dis, ça sert à quelque chose d'enflammer. Mais non, à part juste mourir. Eh. Et alors? C'est qui le boss? Superbe. Oh là là, la fosse. La fosse, bonne idée. Bon. Je suis navré pour vous. Bois dur. Je ne peux pas en récupérer davantage. Ok. Bah, je suis navré pour vous, hein. C'est pas évident. Ah, faut accrocher le grappin là-haut. Alors, bouge pas. Tac. Alors, c'est parti. Bonsoir les filles. Hop. Oh, ça fait tellement plaisir le grappin. Comment on descend? Comme ça. Oh, waouh. Ah ouais. 2 jaguars. Oh, s'il y en a que 2, ça va. Attends, je sais, on va aller là-haut, là, tranquille. Tranquille, Emile. Ah, ils sont 3. Oh, ta gueule, c'est trop de la merde. Adieu, monde cruel. Hors de ma vue. Hors de ma vue. C'est bon, ils aiment pas le feu. Hors de ma vue. Il vient d'où, lui? Allez. Ciao. Allez, salut. Je me casse. J'ai trop peur en vrai. Ah, je reviens là. Ah, moi je veux pas aller là, moi. Ah, là, ici. Allez, salut les nulos. Moi je me casse. Rien à péter de vos conneries là. Ah, je vois la lumière. Je vois la lumière. Alléluia. Let's go. Waouh, piégé terminé. Du coup, on a récupéré le grappin. C'était notre objectif. Je suis très content. Je suis ravi. Et on est là sur une très belle vue. Un petit plongeon peut-être? Dommage. Est-ce que je peux peut-être maintenant récupérer le truc bleu là, vous savez? Je t'ai aigri juste avant là, il y a 5 minutes. Ce serait pas mal. Donc on va essayer de remonter. Ah ben, j'ai le grappin maintenant. Eh, attends, bouge pas mon gars. J'ai le grappin maintenant, ça change tout. Bien évidemment. Ah bah je suis content. Je suis très content et ça se passe ici. Et ça se passe ici. On aura quand même réussi à l'avoir. À l'avoir de rien du tout. Qu'est-ce qu'on est censé faire là? Ah, faut que je monte encore là, peut-être. Alors là j'ai pas pigé là. J'ai pas pigé. Non, j'étais déjà là-haut. Bon bah j'ai pas compris. Visiblement je peux encore revoir Wogah le fabricant. Demander des comptes au Wenja dérangé qui vous a piégé dans la grotte. Eh bien on va lui demander des comptes. En plein dans la nuit. Avec tous ces sangliers qui rôdent. Hop là. Voilà, on est de retour ici. Ça va la comédie. Il va nous repisser dessus hein. Wenja! Wenja! Kona Wenja marwa? Palu guaifash, na maita tiwai. Na maita. Wenja saquim. Pasta. Kala. Saiwai shashwai. Hasar urusis. Balwinja tachis la daisu. Ma hasar urusis mi bichauda. Shashwaidam. Una tarai. Uwinjaha guaifa. Budaf maigan. Sashwarzo daishan hasar urusis sanja. Hai mi. Alors je sais pas si c'est une très bonne plus-value de l'avoir recruté lui personnellement, mais écoutez, c'est un fabricant, on a surtout récupéré le grappin et ça c'est plutôt chouette. Et d'ailleurs il veut qu'on aille où là? Il veut qu'on aille là, pas de problème, pas de problème. Mais attends, ça va où là? Attendez, je suis trop curieux là, il y a une pierre de... Il y a une pierre bleue en bas là. Je la veux moi. Elle est où? Elle est où? C'est pas vrai, je me fais arnaquer depuis le début. A chaque fois je veux quelque chose, je l'ai pas. C'est incroyable. Bon. La pierre d'Aïcha il me semble, c'est ça hein. Et puis je sais pas où elle est. Elle doit être sous terre, à mon avis elle doit être sous terre. Si je passe par là il se passe quoi? Du coup maintenant que j'ai le grappin j'ai envie de voir quand même. Oh incroyable. Bah y'a pas grand chose à voir. Chercher. Y'a pas grand chose à voir en vrai ici. Faut que j'aille où là? C'est un cul-de-sac. Pourtant c'est bien de là que je me suis enfui avant. Ouais bon je comprends pas. No comprendo. No comprendo. Hop. Allez hein. Voilà. Voilà. Allez. Du coup, bah il fait nuit. Mais on s'en fout, il y a de la lumière là-bas. Allez c'est parti. Voilà, je me suis rétamé la gueule dans sous l'océan. Il y a des loups, des jaguars, des tigres. Aïe. Il y a des requins. Des piranhas. Ce sont des piranhas. Allez on va essayer de se faire discret. Oh là là, ils sont vénères hein. Petite balade nocturne pour changer. Comme ça on verra si on a vraiment envie de continuer les balades nocturnes ou pas. Ah yes. What? Attends, ils se sont fait chasser par ce petit truc là? Ah ouais non mais les meutes c'est une dinguerie. Feu de camp, nouveau point de réapparition, très bien. Ok, toi t'es gentil toi. Ah c'est un tapir. C'est pas très gentil non plus les tapirs. Cherchez les pierres Sandoros. Je n'y manquerai pas. Je n'y manquerai pas. Mais d'abord... Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est rien. Ok. Bon, on y arrive, on avance. Il y a plus d'animaux là que d'humains, mais ah il y en a là-bas des humains. Ah non, pas du tout, ce sont des animaux. Ils sont en train de tout bouffer. Ils sont en train de tout bouffer, c'est fou. Et je n'ai pas de bêtes. Attends. On va faire un truc. On va sortir le dôle pour changer un petit peu, d'accord? Ok, on va demander au dôle. Excusez-moi, je parle pas trop là, je suis très concentré. Attaque ici, et moi j'attaque là. Il a rien compris. Il a rien compris. Il a fait tout ce que je ne voulais pas, mais c'est pas grave. On y va. Attaque. Voilà. C'est bien mon dôle. pas si mal la nuit en vrai. Allez, on est dans la zone. On est dans la zone. On fouille tout. Il faut qu'on trouve les pierres. Examiner les vieilles pierres. Les vieilles pierres. Debout Wenja, c'est ça? Pas du tout. Le mec ne comprend rien. C'est ça? Ce n'est pas ça. Et le jour se lève. Parfait ça. Parfait. Enquêter. Ah! Oh là. Attention. Animaux pas cool. En plus ils ont un bon odorat hein. Donc être discret c'est bien mais allez. On fout le feu. Et là on peut examiner. Et évidemment y'a rien. Allez. Il se fout de ma gueule. Oh là là, lui il m'a vu. Lui il m'a vu. Ah ouais il s'est fait one shot. Ah ouais il s'est fait one shot. Debout. On enquête. Oh waouh. Incroyable, regardez là-bas. Oh ah ouais. Ah ouais. Alors toi mon grand, t'es où? Ok. Oh non je vais mourir. Il est mort ou pas? Attendez il m'a l'air mort là. Il est où le... Bah il est où le tigre? Bon j'ai pas compris. Allez on y va. On va aller vers la lumière. Putain c'est dur hein. Découvrir ce qui scintille. Eh bien nous allons découvrir ça bien sûr. Hop. Oui oui tu vas rien faire, je vais dans l'eau moi. Bah, au final on revient là où on était avant. Allez le dolly il est mort mais oh, ça m'énerve ça. Les animaux de compagnie ils sont un petit peu... voilà c'est vraiment des animaux de compagnie. Ni plus ni moins. Bon, qu'est-ce qui se cache là-bas? Qu'est-ce qui se cache là-bas les amis? Oh putain. Terrible, c'est terrible. C'est terrible. J'espère qu'ils savent pas nager. Ah bande de nulos. Alors, attends juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir. Hop. Voilà barrez-vous. Voilà c'est comme ça qu'on leur fait peur. Ah. Bon. Allons-y. Trouver et collecter 4 pierres sans doros. Ok il y en a 4 à trouver. Pas de problème à ce niveau là. La musique d'ambiance elle fait super peur. Oh là. Ah mais j'avais pas vu ça comme ça moi. Et encore je suis pas dans la zone là. Ah oui d'accord. J'ai capté. Ah, oh là là. Non mais là y'a... Là y'a trop de trucs là. Et heureusement on a le grappin. C'est incroyable. Bon. Et j'aurais dû garder ma chouette en vrai. Ouais. Ouais. Alors mes animaux déjà. Toi je te réanime. Voilà. Attaque. Attaque. Voilà ni vu ni connu. Bon du coup on s'est fait cramer mais c'est pas grave. Ah ouais on s'est littéralement fait cramer. Ok. Allez scanne tout le monde là. Ok. Pourquoi il veut pas scanner lui là? Ok c'est bon ils sont scannés. C'est pas mal en vrai là. Hop. Ni vu ni connu. La mort vient du ciel. Wesh. Non mais c'est l'épisode du pipi ou... C'est l'épisode du pipi. Bon. Oh elle était belle. Oh elle était belle. Bon il faut mourir là. Là il faut mourir. Voilà. 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 Oh c'est magnifique. Coup de saga magnifique. Il en reste plus qu'un. Hop. Dommage. Oh, il faut mourir. Bon là ça commence à me saouler hein. Ouais d'accord ouais. Bon. Là ça commence à me saouler les conneries. D'accord. Donc je vais vous montrer ce qui va se passer. Voilà. Allez. Dans ta gueule. Oh ça commence à suffire hein. Je récupère mes saguets. Voilà. Allez on ramasse. Et de 1. Et de 2. Cratère oublié. Ah vous voulez de l'action je vous en offre hein, c'est bon hein. Par contre toi. Ah je peux pas te dépecer, dommage. Voilà. Ça voilà on prend. Un troisième ici. Très bien. Monsieur vous êtes nu. Il y a une pierre d'Oros ici. Ah bah voilà, 100 d'Oros le quatrième. Voilà et la pierre. La main d'Aïcha. On en profite hein. Ça c'était bien ça. 100 d'Oros hein. J'ai bien aimé. On aurait pu faire mieux. On aurait pu gaspiller moins de flèches. Mais c'est pas grave. C'est très très chouette ce qui s'est passé. J'ai beaucoup aimé. Voilà on est 33 maintenant nouveaux villageois. On a reçu de nouveau des points de compétence évidemment. C'est un épisode où je suis un peu aigri, mais un épisode où au final on a débloqué énormément de choses très importantes. Donc c'est juste impressionnant. Donc là bah là du coup bah, c'est superbe. Il nous reste plus que elle, Jayma la chasseresse. Là il faudra faire le fort du Grand Darwa. C'est plutôt pas mal. Tout le reste se passe maintenant à notre camp, à notre village. Nos compétences. Donc ressources rares, chance accrue de trouver du bois rare. Alors attends. Approchez-vous d'un jeune mammouth et maintenez-eux pour monter sur son dos. Wow. Précision grandement accrue pour les gourdins et les saguets. Ça c'est très bien parce que là j'ai mis des coups de saguet juste avant, c'était magnifique. Nutrition avancée, donc ça dure 90 secondes ou 60 secondes pour les effets. Là j'ai pas assez de points de compétences pour débloquer ces trucs là. Ah ça ce serait superbe. Ah attendez, santé supplémentaire c'est important et course accroupie. Déplacez-vous plus vite lorsque vous accroupissez. Alors... il faut que je choisisse mais la santé supplémentaire c'est trop important. Voilà et ensuite en confection du coup on a débloqué ce bonhomme là. Donc le grappin s'est débloqué. Couteau de pierre, magnifique. Ceinture à gourdin. Transporter 2 gourdins de chaque type actuellement et maintenant on pourra en transporter 4. Ok. Ceinture à saguet donc pour transporter une saguet supplémentaire. Et donc là couteau de pierre je le fais directement comme ça c'est fait. Et donc là normalement, voilà couteau de pierre, ça a priori ça fera un petit peu plus mal. Très bien, et bien les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié malgré mon humeur. Le prochain sera également incroyable, on va retourner au village. Et on va découvrir ce qui va nous attendre tout simplement sur cette magnifique vue. C'était MColo, plein de bisous, n'oubliez pas le like, ciao tout le monde. Fais cette vidéo d'MColo, alors mets un like. Si tu veux soutenir davantage, écris dans le chat. Ton petit commentaire qui fait plaisir, c'est un pur bonheur. Mets la cloche, nouvelle vidéo en ligne à 16h.